m'appelle Marasek, artiste, chanteur, percussionniste. Je ne sais pas à quel âge même que je peux te dire que j'ai commencé à faire la musique. Je ne peux même pas, parce que je suis né dedans. Donc, je suis grandi ici, j'apprends, je jouais, dansais, chantais, tout ça. Je suis né dans une grande famille de griots qui s'appelle le 5-5. 5-5 family. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. On est dans le quartier, donc voilà, tout le monde se connaît, je connais tout le monde, parce que voilà, c'est mon quartier de naissance. C'est le fils de Marasek, vous savez. Ses ancêtres, c'est des artistes. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris l'art dans les écoles ou c'est le sang, c'est dans la famille. C'est sa lien qui est artistique. Ton père, okay. Grand danseur. Ouais. Ah, c'est lui qui a le premier à commencer à mettre des paroles dans la musique de Youssoundou. Mon père, quand il est décédé, j'ai 2 ans. Il a vécu pas longtemps, mais il a marqué les esprits des Sénégalais. Je grandis avec ça, les gens me parlent, fils de son père, Marasek, ton père avec Youssoundou, ton père c'est un génie. J'ai dit, ah ben moi je vais réussir, alors mon père il est génie, donc je crois que c'est facile. Mais en fait non, que j'arrive à devenir le fils de son père, il faut que je travaille. Mon père, il a fait autre chose, mais moi, j'ai en train de faire une autre part de ma carrière, de créer un autre style. Ça, c'est le sabar. C'est un instrument qui appartient qu'ici au Sénégal. Et c'est à quelle famille de griots qui joue ça. Et à un moment aussi, moi, j'ai dit, tiens, moi, je pense que je devais penser sur quelque chose qui peut parler, pas que le Sénégalais, mais l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, tout le monde. C'est ça qu'on a créé, Gis Gis Bibes, qu'on fait musique, ça va électronique. Nous